Une séance photo avec une mannequin un peu particulière, Tando Opa est albinos. Cette jeune Sud-Africaine de 24 ans, avocate de profession, a décidé de jouer les modèles pour faire tomber les préjugés sur l'albinisme. C'est une grande opportunité d'être la première albinos à vouloir agir et à le faire. Si les médias trouvent ça bien, c'est très positif. Avec le temps, ils vont s'habituer et c'est pour cela que nous le faisons. Tando Opa n'est pas la première mannequin albinos en Afrique du Sud. Refiloué Modizel défilait déjà sur les podiums sud-africains dès 2005. Tando Opa a commencé en 2013 avec la Fashion Week, un bon moyen de montrer que la différence peut être belle, que les albinos sont des personnes comme les autres, que les discriminations doivent cesser. En langue Xhosa, on vous appelle Inkawu, cela veut dire singe. En Zulu, on dit Ishawa, cela veut dire malédiction. Avec ce que je fais là, je sens que c'est le moment où je peux dire aux gens, non, vous devez me traiter autrement. Tando espère changer les mentalités et redonner confiance aux albinos. Il serait près de 4000 en Afrique du Sud, encore victimes de préjugés et de discrimination.